Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à m'écrire euh, et me demandant quand est-ce qu'ursula Ursula von der Leyen va tomber. Je vous avais dévoilé ça dans une vidéo, je crois il y a presque huit mois maintenant, où elle finirait en prison. Reste que oui, huit mois après elle n'est toujours pas en prison, mais je vous ai jamais dit que elle y allait aller, elle allait y aller tout de suite. Pardon. Il faut toujours laisser le temps autant en voyance. Il faut laisser du temps pour que les choses arrivent. Ursula von der Leyen n'est pas venue là d'un coup de maguette magique. Elle ne partira pas de la même façon. Mais dans vos mails, vous me demandez est-ce qu'on peut regarder à nouveau où cela va en être Alors effectivement, c'est l'occasion de faire un petit peu un, un point sur cette situation. Je vais prendre les deux oracles, mais dans un premier temps, je ne vais utiliser que l'oracle de Béli. Et je vais formuler la question ainsi. Comment va évoluer la situation sur les plaintes contre Ursula van der Leyen Alors, une petite précision sur les tirages. Je vois parfois en commentaire des gens me disant, oui, mais la carte est à l'envers. Alors, une fois pour toutes. Je vous le redis, on n'interprète pas avec le Béline les cartes à l'endroit ou à l'envers. Pourquoi Parce que si je voulais, je n'aurais que des cartes à l'endroit. Vous voyez, ici, c'est à l'endroit. Ici, elle n'est pas dans le même sens. La position des étoiles donne à l'envers l'endroit. Donc il est très facile avant de faire un tirage, en fait, de faire ce qu'on veut et présenter les cartes dans le sens que l'on souhaite. À l'endroit, à l'envers. Et ainsi, le consultant, plutôt le voyant, pardon, pourrait totalement mettre toutes les cartes dans un sens ou un autre. Je ne le fais pas parce que ça n'a pas d'intérêt. J'interprète par rapport à des questions. Une carte qui est donnée, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'a aucune importance. Ça, c'est un fantasme de certains praticiens. Ils font comme ils veulent. Je ne critique pas. Mais... Moi, je n'interprète pas les cartes à l'endroit ou à l'envers parce que ça n'a pas de sens. C'est l'information que l'on vous transmet qui vient dans un sens. Parce qu'imaginez qu'ici elle soit à l'envers, donc ça veut dire elle est en opposition, mais en plus elle est négative par rapport à l'opposition. Alors du coup, elle ça fait moins moins. Est-ce que ça fait plus ou est-ce que ça fait autre chose Vous voyez, ce n'est pas du tout plausible. Et si je tirais les cartes comme certains praticiens le font, c'est-à-dire c'est rare mais j'en ai vu le faire. Où ils prennent leur paquet de cartes et ils le jettent en l'air. Là, à ce moment-là, ça aurait pu avoir un sens parce que quand vous le jetez, la carte peut tomber n'importe comment. Quand je la tiens dans la main, eh bien, tout simplement, je n'ai qu'à positionner toutes mes cartes à l'endroit et on n'en parle plus. Vous voyez que de la méthode vient la façon d'interpréter les cartes. Lancer toutes les cartes en l'air, pourquoi pas et puis vous, vous vous mettez une méthode, par exemple, la personne interprétait celle qui tombait le plus proche de lui face retournée pour être visible. Et effectivement, on peut se dire à l'endroit à l'envers, ça a un sens. C'est une méthode qui se rapproche un peu des runes, même si les runes je ne les interprète pas là non plus à l'endroit à l'envers. Mais vous voyez que le fait de lancer ces cartes, c'est exactement la même méthode que de lancer les runes. Après, le praticien a quand même libre arbitre. D'utiliser la méthode qu'il souhaite, du moment qu'elle fonctionne, après tout. Mais encore une fois, moi, avec ma méthode de, de tirage, je n'interprète pas les cartes si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Je les prends à l'endroit parce que j'arrive mieux à les lire qu'à l'envers. C'est tout simple. Revenons à Ursula von der Leyen. Et vous voyez, première carte, l'étoile de la femme. Ce qui nous montre deux choses. Déjà que l'on parle bien d'elle. L'oracle nous le précise nous sommes bien sur Ursula von der Leyen. Il insiste. Et on sent aussi une forme de pression sur elle. Regardez l'étoile elle repose sur sa tête. C'est une pression qu'il y a sur elle. L'enquête est fixée sur elle, avec visiblement beaucoup d'arguments et peut-être plus qu'on ne le pense. Elle est la cible, Ursula von der Leyen, de ses enquêtes. Elle est la cible de beaucoup d'enquêtes, de beaucoup de reproches, et finalement, elle centralise toute la vision de ses affaires sur elle. Ce qui nous montre aussi, quelque part, que on n'a pas euh, de complicité. Un petit peu, c'est vrai, mais il n'y a pas de gros complices. Si vous voulez. On sent bien que tout est fait sur elle, c'est elle qui décide de tout. Ce qui va aller contre cette enquête, et nous avons cette carte, c'est une carte solaire. Le soleil, c'est toujours la lumière. Ce qui nous montre que quelque part, il va y avoir de l'obscurité, puisque c'est en opposition. La lumière n'arrive pas à être faite partout. Et puis si vous regardez, nous avons un chien. La carte, c'est penser amitié. Il n'est pas bien compliqué de comprendre que certains amis d'Ursula van der Leyen vont cacher certains aspects, ne pas tout évoquer, garder certaines informations pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complices d'Ursula von der Leyen au sens d'avoir créé les problèmes. Ils sont juste complices de se taire. C'est déjà beaucoup. Donc là, nous avons des gens, des fidèles d'Ursula von der Leyen, on va les appeler comme ça, des fidèles, de, des fidèles de cette femme qui vont essayer de taire certaines informations. Ça démontre encore s'il en avait besoin, qui a beaucoup plus de problèmes qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Des ramifications sont énormes. Le conseil de la carte c'est d'être patient. On y revient quand je vous le dis des fois il faut être patient. Je vous le dis même très souvent. Je vous le redis. Soyez patient toujours. Regardez le nombre de tirages que j'ai fait depuis deux ans. Je crois que j'en suis à 700, euh, 700 ou 750, je ne sais plus bien. Euh, et regardez le nombre de choses qui se sont déjà déroulées. Véran qui retourne à la médecine. Le nombre de ministres que j'ai dit qui démissionneraient ou seraient démissionnés. Euh, L'affaire de cet acteur sur TF1 de Plus Belle la Vie. Je vous avais dit qu'il serait retrouvé pendu. Il a été retrouvé pendu. Euh, et il y a plein de choses comme ça qui se sont déroulées. Alors effectivement, il y a des cas où ça va très vite, d'autres où ça va moins vite. L'aspect politique en général va moins vite. Et parfois, je veux vous dire que ça va prendre un an et ça prend deux. C'est vrai, mais à coup de pas, euh, je ne cache pas que parfois ça prend plus de temps que je ne l'avais estimé, parce que le temps, en voyant, c'est compliqué, c'est une estimation. Un an, deux ans, vous me direz c'est le double, et vous avez raison. Mais c'est aussi quand même pas très loin. Je vous aurais dit un an et que ça prenne vingt ans, là oui je me serais bien mis dedans. Vous voyez qu'il faut toujours garder son sang froid, garder la tête froide, analyser avec sérénité. Plus vous ralentissez votre façon de penser, plus vous êtes efficace. Pas de précipitation. Le dossier face à Ursula van der Leyen est solide. Oui, il va se passer un peu de temps, c'est vrai. Patience, c'est une carte qui appelle à la patience sans donner de temps, mais elle démontre bien que le dossier est extrêmement solide, ce qui veut dire que on a de grandes grandes chances que cela aboutisse, parce que l'oracle de Béline, quand il donne un conseil, ça nous montre bien que ce conseil il sert à quelque chose. Ce n'est pas un conseil en vain. Regardez l'enquête. L'enquête, c'est une réussite. Cette enquête sur Ursula von der Leyen ira jusqu'au bout et mettra en lumière, carte solaire, septenaire du soleil, mettra en lumière les agissements d'Ursula von der Leyen. Et les agissements qui remontent depuis le départ, depuis son arrivée, parce qu'il semble avec cette carte que nous soyons effectivement depuis le départ, avec des contrats, on pense tout de suite au contrat Pfizer, mais il y en a d'autres. Regardez une tête de mort qui indique que des gens y ont laissé la vie certains penseront peut-être à michel rivasi je dis ça juste comme ça au passage et vous voyez que il y a des choses à découvrir autour de cette affaire alors ce que je vous propose et eh bien maintenant c'est d'utiliser les deux oracles l'oracle de Béline on va rebattre les cartes alors là aussi, hein, il y a des gens qui, qui battent les cartes, c'est des acharnés de, euh, de cette pratique. Là aussi, il n'y a pas d'obligation. Si vous-même vous tirez les cartes, vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui devez sentir quand vous devez arrêter. Vous pouvez battre 3 minutes, 30 secondes, ça ne changera rien. Faites-le comme vous le sentez. Et là, on va se demander plusieurs choses. Face à Ursula van der Leyen, on voit que l'enquête va réussir, mais on peut se poser la question de savoir quels sont les éléments qui vont faire tomber Ursula van der Leyen. Deux cartes. Deux cartes et deux choses différentes. Peut-être que si j'avais pris trois oracles, j'aurais trois réponses. Mais vous voyez que là, c'est un peu inattendu parce que pour l'instant, les plaintes sont essentiellement, sauf erreur de ma part, sur cette affaire de contrat Pfizer. Là, ce qui va faire tomber Ursula von der Leyen, c'est la guerre. La guerre ukrainienne. Ukraine-Russie. Et si on se dit. Pourquoi la guerre Ukraine-Russie ferait tomber Ursula von der Leyen? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, elle s'est attribuée un rôle qu'elle n'a pas, des pouvoirs qu'elle n'a pas. Et puis on sent que ce va-en-guerre permanent, que notre chef d'État euh, suit religieusement, il y a quelque chose, ça cache quelque chose. Un trafic d'influence. De la corruption. Et ce n'est pas aussi simple que de voir une politique va en guerre. Il y a de la corruption cachée dans tout ça. Et l'autre domaine, c'est la politique qui s'est passée lors de cet épisode Covid. Ça englobe bien sûr les contrats Pfizer, mais ça englobe toutes les restrictions qui ont été menées, tous les ingérences finalement qu'Ursula von der Leyen a eu vis-à-vis -vis des États européens. Quelles seront les conséquences pour Ursula von der Leyen de tout cela J'arrive pas à attraper la carte. Et quand on regarde les conséquences, on y voit pour elle de la communication, mais l'arrivée d'une situation nouvelle. On a l'impression qu'on vient lui délivrer un message. Un message où en fait elle entraîne son mari. Aiko van der Leyen. Sa chute d'Ursula van der Leyen va entraîner celle de sa famille, en tout cas celle de son mari. Le rose c'est la femme, hein. euh, le bleu c'est l'homme, symbolique tout à fait euh, traditionnel. Alors, les conséquences, c'est bien sûr d'entraîner son mari dans toute cette affaire, avec une affaire sur lui. Il y a bien collusion, petit arrangement en famille. Et de ces conséquences, comment se finira tout ça Quel type de verdict aurons-nous vis-à-vis d'Ursula von der Leyen On y voit ici de l'argent, des amendes. Déjà, il y aura des amendes, beaucoup d'amendes. Et puis, quelque part, quand j'ai vu cette, cette fleur, je l'ai vue prisonnière ici. Je l'ai vue entourée. Vous voyez, on a l'impression d'oppresser. Il y a bien de la prison qui ressortira sur Ursula von der Leyen. amende des prisons. Alors, sur certains volets, il y aura de la, de, des amendes. Pour moi, c'est quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on peut donner des amendes sur certains trafics d'influence, par exemple. Je pense notamment à, à son mari. Mais il y a aussi de la prison. Une forme d'étouffement pour les deux. Vous voyez, comme ce cœur de, de, de Rose, finalement, est étouffé, enserré. Pour moi, c'est de la prison sur eux deux. C'est la chute. Finalement de la maison Vanderleyen. La chute tout simplement. Si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. À partager la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage.